dirais que cette émission, c'est quand je vous dis que nous sommes les meilleurs, vous avez dit que c'est redondant. Excusez-moi pour le gros français. Dans la semaine là, j'ai vu le dictionnaire. Mais vous voilà scotché sur vos écrans de télévision pour nous regarder et nous voici aussi à faire rendez-vous. Nous sommes les meilleurs et c'est la meilleure chaîne. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Comédie Presse. Il y a des gens qui commencent à chasser les mouches et ça, c'est pas bien. On va prendre le top des unes pour faire le round-up de l'actualité. Parce qu'il y a des gens à la maison qui se placent devant les kiosques, ils se mettent à regarder seulement comme ça, comme les Mazembe. Il faut aussi prendre le temps de lire. Le top des unes, on se retrouve juste derrière pour vous présenter une émission spéciale. Elle est spéciale parce que les deux présentateurs sont là sur le plateau. Hein. Ah, ne zappez pas. Monsieur, comme le constatez bel et bien, l'émission, c'est comme dit, c'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, je commence par ajouter les corées. Quand me présente le corée droit là, le corée droit me présente le financier d'Afrique. Oh, le financier d'Afrique anti-crank, dans Afrique centrale. Le Gabon et la Guinée équatoriale conditionnent la libre circulation. Les deux chefs d'État exigent l'adoption de nouvelles mesures de sécurité et la possession d'une pièce d'identité pour pouvoir circuler dans l'espace humain. Vous allez lire la suite à la page de nous. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons rapidement continuer en reposant les courriers. Que me présente le courrier? Le courrier me présente le soir. Le soir, article en grand style. Dernier heure, au-delà des remaniements. Une source digne de foie et d'estomac et même de pancréas nous a signalé lorsque nous nous mettions sous presse que le président de la République aurait fait pression à la Chambre nationale et au Sénat d'accélérer avec le passage des ministres. Voilà, gangstérisme à l'Assemblée nationale, un peu plus bas, pour qui roulent les députés SDF. Des scandales à scandales. Les honorables du Social Démocratie Front en essaient de surprendre. Et s'illustrent en voyou. Et pourtant, ils avalent les milliards de francs CFA du contribuable camerounais chaque année de qui se moque-t-on? Eh, alléluia, oh! Qui se moque-t-on? Excusez-moi, mesdames et messieurs, j'ai confondu avec le morceau de Jean-Michel Cancan. C'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier qui s'est éloigné là? Le courrier qui s'est éloigné là me présente le quotidien à l'Épervier. L'Épervier a titré en grand titre. L'Épervier célèbre son millième numéro. Waouh! C'est déjà jusqu'à 1000? Jeudi 14 janvier 2010. Date de parution du numéro 001 au mercredi 6 décembre 2017 pour le numéro 1000. Le journal Épervier a déjà fait son bonhomme de chemin. D'abord hebdomadaire, ensuite hebdomadaire, enfin quotidien. Le tabloïd contrevent des marées tient le bon bout grâce à la détermination de son promoteur habitué de ma piscine miraculeuse. Le dévouement de son personnel et la fidélité de ses lecteurs. Comme moi. Vous allez lire la suite de la page sur la page. Un peu plus par raison dit. Esclavage domestique. Les victimes sont les jeunes filles des familles pauvres. Ah, aucun pauvre n'ira au ciel tôt si vous venez dans ma piscine miraculeuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le quotidien Les Pervers. Permettez-moi de bouger le courrier, bouger le courrier et de bouger le courrier. Que me présente le courrier du milieu là, net. C'est mutation. Mutation a muté en grand cycle en cycle. Milice de l'Ambazonie, jeunesse du Biafra, liaison dangereuse. Les séparatistes nigériens déclarent avoir prêté main forte aux milices camerounais, au cours de l'attaque ayant causé la mort de 4 militaires. Évocation de la guerre du Biafra et du rôle joué par le Cameroun. La suite à la page 5. C'était tout pour mutation. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement continuer avec Cocorico. Cocorico, Coco. Cocorico, Coco. Excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur le quotidien. Le Cocorico a tiré en grand style. Kamwata, l'Empire à Tanganakura s'écoule. Quels sont ces types bizarres?
un peu plus bas, ils ont dit, l'église Notre-Dame des sept douleurs d'Aconophète, c'est 80 ans, les sept douleurs, l'église a les sept douleurs. Bon, un peu plus bas, ils ont dit, révélation fracassante du Gobros, on suit ses arriérés de salaire. Après la décision du comité de normalisation de normaliser et de brosser Gobros de la Fédération Camerounaise de football, de résilier son contrat à la tête de Lyon Yandonta, la réaction de l'entraîneur belge Hugo Broz n'a pas tardé. J'ai au téléphone par un confrère de toi, l'homme qui a offert au Lyon. Faut pas exagérer. Moi, le marabout, j'ai tout fait pour qu'on gagne un coup d'appui. J'ai un livre pour le coup. Mesdames, mesdames et messieurs, permettez-moi de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a cité en gangsté. Cameroun prend. On parle climat. Voilà. Maintenant, on parle climat. Le prochain sommet de Paris et bien d'autres sujets étaient au centre de l'audience accordée hier par le président de la République, son Excellence Obia, à l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault. Vous allez lire la suite de la page 2 et la page 3. Un peu plus à quoi les ont dit. Effectivement, yes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun étant un pays bilingue, nous avons deux langues officielles, l'anglais et le français. Now I must continue in English. Let's go and let's continue. Effectiveness in school news is stooping as conscript is missed after us near. Contrasting theory reality. Where the knowledge is graduated is governing or common overcoming. Fear and grouping the draw after pan in the mundo. To do in the bishop, answer from in the flower. Furthermore, sour region is very to pin the door in the facing after ping, after ping, 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 d'ici à là, restez scotché sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 99, 99, 100. 100 commentaires. 100 commentaires. D'abord, quand tu dis qu'il faut qu'ils restent scotchés, est-ce qu'ils ont le choix? Eux-mêmes, ils savent que nous sommes les meilleurs. Et si nous sommes les meilleurs, c'est parce que vous-même, vous avez choisi qu'on soit les meilleurs. Alors, je vais accueillir en premier lieu, celui qui est souvent assis ici à ma place. Journaliste 5 étoiles avec sa radio et sa station de radio. Bonjour. Bonjour. Bon, présente-moi un peu. Fais comme si tu me recevais. Je te reçois pourquoi? Dans ta radio. Dans ma radio? Oui. Dans ma radio, ce sont les petits animateurs là qui reçoivent les gens. Moi, je m'intéresse surtout à ce qui. Les entiers financiers, non? Oui. Donc, eux, ils reçoivent les artistes qui chantent les bêtes chansons là. Les bêtes chansons. Plus une chanson est bête, plus c'est diffusé dans ma radio. Parce que plus c'est bête, plus ça coûte cher. Ça coûte cher. Et donc, quand les petits animateurs là, les gens que j'ai cherchés au quartier qui ne savaient pas parler le français, comme dans la plupart des radios, tu vois? Ils viennent là et puis... Le journaliste 5 étoiles et même le présentateur 5 étoiles et l'émission aussi. Bon, allez, Cristiano Ronaldo, 5e ballon d'or, finalement encore. Si Messi, tu sais que Messi, c'est sinon, Messi ne prend pas le Messi l'Africain, oui. C'est toujours le type là. Mais alors, qu'est-ce qui justifie ce blocage au niveau du ballon d'or? Deux individus, depuis 8 ans, c'est oui, toujours c'est les mêmes. Toujours. Quand ce n'est pas... Ronaldo, c'est Messi, notre frère africain. Qu'est-ce qu'il y a de problème? Il faut d'abord dire que moi j'ai été très honoré quand ils m'ont invité jeudi dernier à venir couvrir cet événement. J'étais le seul journaliste. J'ai dit bien, le seul journaliste qui a couvert cet événement-là. Oui. Avec la couverture. Avec la couverture. Donc, j'ai donc couvert l'événement et j'ai été ravi de voir Cristiano Ronaldo qui est venu avec son entraîneur quoi la Pérez et il a été satisfait. Mais si il se plaint pourquoi? C'est parce que les gens à la base, vous connaissez que les Africains aiment se plaindre. Oui. Si Messi se plaint, nous-mêmes on se plaint souvent. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait quelque chose. Et Cristiano a pris son 5e ballon d'or. Oui. Et un jour viendra où il prendra son 16e. Que Messi reste simplement tranquille. Qu'il attende. Et les autres joueurs, oubliez, ça ne vous concerne pas. Bon. Ça vous concerne. Allez, on va prendre
Monsieur le président du syndicat de Marabout, qui en dehors de ses courriers aujourd'hui est en train d'écrire, je ne sais pas ce qu'il écrit là-bas. Je suis en train d'écrire parce que j'ai mon client là, il est du côté de juriste. Hein, monsieur Eric, présentement, il est parti en France. Oui. Donc, il veut l'argent. Et je suis donc en train d'écrire son nom ici, parce que son nom va se transformer ici. L'argent va, vous savez, il va se retrouver avec l'argent dans son tête. Vous savez que. Excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous me le constatez bel et bien, le président du syndicat de Marabout fait même les voyances à distance. C'est-à-dire, j'ai écrit le montant au niveau de vous, le papier, vous recevez ça, même si vous êtes dans quel pays, sauf au paradis. Donc, je tiens à vous rassurer, à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous n'avez rien à manger. Vous n'avez rien à manger. Don't be angry. Ne vous inquiétez pas. Don't be angry. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui. Le président du syndicat de Marabout est là, vous venez seulement avec 1001 francs, je vais résoudre votre problème. Bon, c'est vrai que tu ne nous as pas donné la date de la Coupe du Cameroun, mais on sait déjà que c'est demain. UMS de Loum et New Star vont disputer la finale de la Coupe du Cameroun. Est-ce que les courriers vont nous dire la vérité? La lecture touristique a toujours été une lecture exacte. Parce que les petits journalistes viennent se passer, commencer à parler de choses qui n'ont pas de sens. Alors que la lecture touristique. Je sens que vous allez bientôt avoir les règles douloureuses. Vous êtes, je vous le dis. Vous êtes un petit journaliste. Mais attendez, patron du radio quand même. Chef de chaîne. Correspondant permanent du Figaro. Je vais vous envoyer le nom. Je vais vous le nom tout de suite. Bon. Alors, monsieur le modérateur. Allez-y. Un gars perturbé. Tu ne vas pas me perturber. Je suis un reporter. Alors, okay. Monsieur le modérateur, oui. Entre UMS de Loum et Nusa, vous voulez savoir qui va gagner? Oui. Parce que le score, c'est... Analyse choristique. Oui. La toute première. Ouh. Je vois UMS de Loum en train de gagner. Parce que... Mais je peux bloquer. Je peux bloquer. Mais UMS de Loum va gagner si je ne suis pas contacté au courant. Les supporters de Nusa peuvent être... Venus, non, vous ne faites pas la magie. Ce que les frères, c'est une lecture politique, ce n'est pas la magie. Bon. Alors, je préfère dire aux dirigeants de New Star de me contacter le plus vite possible. Là, je vais renverser la situation. Au numéro qui s'affiche là. Au bas de l'écran. Pour cela, il faut venir avec le cop qui a chanté quoi pour lorsque Pierre régnait Jésus. Et quand on sentait lire des urines d'un pangolin albinos. Et un crocodile. Un pangolin albinos. Oui. Et qui est et un crocodile qui a 47 ans d'âge. Bien. Je vais renverser la caméra. Allez, là c'est l'heure où je dois enlever mon chapeau parce que je dois parler à monsieur le député qui a levé. Monsieur le député. Monsieur le député. Hein? Monsieur, honorable. Hein? Vous êtes sur un plateau de télévision et on est en direct. Respectez d'abord mon numé. Mini. Ton humiliation parlementaire. L'humidité parlementaire. Mais vous étiez en train de dormir. On n'est pas à l'Assemblée. Bon, quel est donc le rôle d'un député même en Afrique et au Cameroun? Si maintenant, pendant que les choses de la nation sont en train d'être traitées, vous passez le temps à dormir. Tout à l'heure, j'ai suivi dans mon sommeil, le président des Marabouts a dit quelque chose que les petits journalistes. Toi-même, si tu tentais, je te mets sur le petit journaliste. Tu connais mon CV politique. Je vous ai toujours dit que j'ai fait l'Institut supérieur de sciences politiques de Mbonfait. Comment tu me poses la question sur le rôle des députés? Ça, c'est l'un des questions élémentaires. Ce n'est pas à l'école primaire qu'on a dit qu'il y a l'exécutif qui propose les lois et il y a les députés qui votent les lois. C'est un piège ou quoi? C'est quand tu ne me poses... Nous sommes là pour voter les lois. Même quand vous partez rencontrer dans tous vos journaux que wow, les députés de l'opposition sont partis à l'Assemblée pour crier, pour siffler. Moi, je n'étais pas sur les siffler. Je suis un député de l'opposition modéré. Oui. Quand je veux faire la chorale, je pars à la chorale. Je ne pars pas à l'Assemblée pour faire la chorale. Hein? Quand je veux supporter un match de football, je ne prends pas le football là pour aller à l'Assemblée pour supporter le ballon, c'est pas sur le stade, non? Bon. Hein? Merci. Tu as une question pour moi? Non, ça va, vous avez répondu. Ah. Bon, on va accueillir maintenant la plus grosse et grande autorité du Cameroun. Excellence, monsieur le président de la République, merci de nous faire encore cet honneur d'être sur le plateau de Comédie Presse. Et à côté du Marabout, merci. Le plaisir est partagé de me retrouver encore une fois de plus autour de ce panel et vivement que les choses ne se passent pas comme à l'hémicycle ou alors la chambre haute ou à la chambre basse où on confond le combat des idéaux en un combat de catch.
Très bien. Monsieur le Président... Sachons discuter sans nous disputer. Sans nous disputer. Mais Monsieur le Président, on vous a vu, en tant que chef de guerre, quand vous êtes rentré de la Côte d'Ivoire, vous avez dit que terminé, c'est terminé. Mais c'était une évidence. Voir des soldats mourir, de quelle manière? Si c'était par balle, j'aurais dit que ce sont les aléas d'un affrontement. Mais aller à égorger un soldat ayant le béret sur la tête, c'est un acte terroriste. Et pour un terroriste, il faut 10 terroristes. Il faudrait qu'on les terrorise au maximum. Bien. Allez, voilà donc le panel de notre émission ce matin. On va dire bonjour à Monsieur Jean Barga, qui nous suit actuellement à Libreville, au Gabon. C'est aussi ça, l'intégration sous-régionale. C'est un habitude de la piscine miraculeuse. Hein. Donc, il vient souvent ici. Il vient souvent ici, c'est la veille, il repart. Ok. Une petite respiration. On se retrouve juste derrière pour le premier thème. C'est Comédie Presse. C'est déjà les fêtes de fin d'année. Vous voulez vous habiller chic, glamour et moins cher? Rendez-vous à Snob Bazar Center. Il y a des vêtements et chaussures de toute qualité à des prix défiant toute concurrence. Les tout petits aussi trouvent leur compte. L'allée est aussi, c'est notre affaire. Également disponible chez nous, une grande quantité de jouets de qualité. Situé entre la pharmacie du Soleil et le marché central de Yaoundé, Cameroun, Snob Bazar Center, c'est le numéro 1 de la mode. Cameroun, question sur les incendies. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par... Merci, vous faites bien de commencer par moi. Ok. C'est important. C'est important. Oui. J'aimerais dire la question des incendies. Poser la question. Poser. Bon, allez. Fire. Mm-hmm. Que nous implorons dans toutes nos églises, dans toutes nos paroisses là. Mm-hmm. Finalement, le fire là s'est transformé en un vrai feu. L'incendie à gauche, incendie à droite. Mm-hmm. Que doit-on dire? Après votre analyse journalistique. Une analyse journalistique. 5 étoiles. Oui. Non, c'est ça le mot. C'est ça. Donc, le feu, les incendies. En quoi est-ce que c'est problématique? Voir le feu comme un problème, moi je dis, c'est du n'importe quoi. Et cette n'importe quoiisation peut avoir un impact. Pardon? La n'importe quoiisation, ça peut avoir un impact sur les retombées économiques. Je vais vous dire pourquoi l'incendie en tant que tel n'est pas un problème. Mm-hmm. Il y a quelques années, ça faisait pratiquement 8 mois, je n'avais payé aucun de mes employés dans ma radio. Ce n'est pas que je n'avais pas l'argent. J'avais l'argent, mais j'avais aussi mes problèmes. Mm-hmm. Je ne peux pas avoir l'argent, je ne vais pas donner aux gens n'importe comment alors que j'ai mes problèmes. Oui. Donc, ça faisait 8 mois que je n'avais payé personne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brûlé mon bureau. Les employés ont su que j'étais dans les problèmes. Personne ne pouvait plus me demander l'argent. Donc, vous avez délibérément... J'ai mis l'incendie à la radio. La pyromanie, n'importe quoi, tisation. Oui, parce que c'était pour que les gens... Parce que si je perds mon bureau, oui. Ça veut dire que je suis en dehors. Oui. Les gens ne peuvent plus venir me demander « Oh, boss, le salaire !»« Oh, boss, le salaire !» Mais est-ce que le salaire reste dans le bureau? Ce qui fait que... Je suis en dehors. Si je perds mon bureau, je suis en dehors. Et on ne peut pas venir embêter quelqu'un qui est en dehors. Donc, l'incendie, vous voyez comment l'incendie peut résoudre des problèmes?
L'incendie peut permettre d'éviter des bilans, des audits dans certaines structures. Je ne suis pas d'accord. Bon, moi-même, ça me laisse un peu perplexe et pensif. C'est même pour ça que tu me voyais réfléchir un peu. L'origine des incendies. De manière. Allons doucement. Personne ne m'en veut vite. L'origine de. Des incendies. Parce que tu as dit les incendies, on n'a pas compris. Ce sont des propos maraboutis. S'il vous plaît, monsieur, ne m'indexez plus. Je ne suis pas. Je vais vous dire le panari si ça continue. Je vous renvoie ce panari. Vous pouvez me renvoyer le panari. Je vous renvoie ce panari à tous mes employés, à trois de mes animateurs. Je vous renvoie les panari. Ok. Bon, que s'est-il passé donc même finalement à l'Assemblée nationale? Analyse choristique, parce qu'il y aura une autre analyse d'un représentant de l'Assemblée. Vous avez posé la question tout à l'heure, à savoir. Quelles sont les origines des incendies? Parce qu'on a constaté qu'il y avait l'avenue Kennedy du côté de Yaoundé. Oui. Et on a vu à l'Assemblée nationale, on a vu aussi la porcherie de Magne, où tous les porcs sont brûlés. On voit les incendies. Ça fait le routier. Et pas plus tard que l'autre jour, ici à Douala, on a vu comment est-ce que au marché de Bonamoupan, bon, c'est chez de Douala là-bas, on a vu comment, c'est Bonamou Sadio, c'est quoi, on a vu comment le marché s'est brûlé, les gens sont tous les pieds à la jambe. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Non! Ce n'est pas parce que le marabout est là, il travaille pour les gens à crédit, vous venez remercier, vous venez avec un liquide de dongtoile, vous me donnez. Si je vous laisse, ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. C'est juste parce que Non, monsieur. J'ai seulement laissé. Alors, j'ai décidé que dorénavant, je vais prendre sur moi d'envoyer mes esprits. Dans tout. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut enterrer 8 milliards au sol. Il en tient 8 milliards. Dans un magasin, il y a 8 milliards. Mais quand il vient sur le marabout, il vient avec 2001 francs. Et je finis de faire le traitement. Il voyage par Dubaï. Mais c'est le prix que tu as donné, Mais quand je donne le plat, c'est pour que vous venez me remercier comment? Il faut venir avec 200 000 un franc. Vous venez même avec 200 000. Vous venez dire que bon, marabout, ça c'est le cas. C'est pourquoi j'ai donc. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'envoyer les incendies partout. Et il y a un député qui me devait de l'argent, il est sur partout. Il était à l'Assemblée nationale. Vous avez vu l'autre jour, j'ai également envoyé le feu à l'Assemblée nationale. Les services de sécurité sont en train de noter. Il y a un chef de chaîne qui a envoyé, brûlé son bureau. Un instant, pardon. Écoutez un peu ça, pardon. J'ai l'impression, il y a l'autre, et un candem, c'est comme s'il est en train de mettre la publicité. Très bien. C'est quelqu'un dans ma radio. Il y a beaucoup de problèmes sur ce plateau. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir avec. Honorable député, s'il vous plaît, honorable. Monsieur, on partage déjà les PEDEM pour partir. Non, les PEDEM ne sont pas. Mais ça s'est brûlé. Si le feu est déjà à l'Assemblée nationale, on doit donc penser qu'après l'Assemblée, il y a le Sénat, après le Sénat, c'est l'autre maison là-bas. Non, il ne faut pas dire que comme ça. Je profite de la présence de son Excellence, le chef de l'État, sur le plateau. Oui. Le chef de l'État, quand moi je pars à l'Assemblée, je lève mon doigt pour faire le vote de loi. On ne regarde même pas mon doigt. J'ai demandé à l'Assemblée nationale qu'il faut qu'on sorte une loi sur les constructions anarchiques. Les constructions anarchiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut construire une on appelle ça une duplex. Un duplex. Oui. Quand tu veux construire un duplex, oui. Il faut vraiment qu'on fasse ce qu'on appelle une expertise. C'est-à-dire qu'on lance une expertise de telle sorte que le matériau qu'on va utiliser pour faire ce travail-là, ça évite l'incendie. Le matériau qu'on va utiliser pour faire ce travail. Le matériau. Qu'on va utiliser pour faire ce travail. Oui. Je vois ton plan. Non. Parce qu'il ne faut pas que tu compliques. Parce que quand je vois les journalistes, vous deux, tout pour vous, c'est de corriger le français des gens. Non. Attendez. Le journaliste est que toi. Laissez que l'honorable parle. J'ai une licence en master. Vous avez une licence en master. On parle du système LMD depuis des années. Oui. On parle du système. Très bien. Donc pour revenir donc, le matériau qui est utilisé pour ce travaux sont le matériau mal fait. Et c'est ça que si on vote à l'Assemblée, monsieur le chef de l'État, tous ces députés du Parti national que vous envoyez, ce sont les gens qui dorment à l'Assemblée. J'ai dit, ils partent à l'Assemblée pour dormir. J'ai demandé à l'autre jour que pourquoi tu n'as pas accepté qu'on vote la loi sur l'Assemblée. Il dit que je m'en fous du peuple. J'ai dit, mais tu représentes le peuple. Et le chef d'État t'a envoyé. Il dit que c'est le chef d'État qui m'a nommé député. Bon,
Excellent, vraiment, je ne sais pas si vous nommez en plus de députés. Vous-même, vous n'étiez pas ancré dormir tout à l'heure. Okay. Vous-même, vous n'étiez pas ancré dormir tout à l'heure. Vous nommez le député. Très bien. Honorable, merci. Je pense qu'on parlait des incendies. Tout très bien. Honorable. Si on avait voté le député devait tout faire pour voter pour la loi sur les incendies. Une loi sur les incendies. Il s'en fout de votre chef de la. Monsieur le chef de l'État, il s'en fout du vote. Et quand je veux lui parler, il dit que vous l'avez nommé. Maintenant, très il parle de nous. Bon, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais d'abord, dans un premier temps, en 30 secondes, que vous répondiez à l'interpellation de ce député par rapport au vote des députés. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu vote des députés? Est-ce qu'il y a eu une consultation électorale? Vous parlez de quoi? Je ne suis au courant de rien. Mais, Monsieur le Député, vous êtes perdu? Comment ça je suis perdu? J'ai dit que c'est un député qui m'a dit qu'il s'en fout du peuple. Que lui, il s'en fout il du peuple. Il a été nommé. Du peuple. Vous l'avez remarqué? Oui, il s'appelle Honorable Temtcho Setendwo. Qui? Je donne son nom à la télé. Honorable Temtcho Setendwo, c'est son nom. Bon. C'est un Camerounais? Ça veut dire que vous avez les députés que vous ne connaissez pas au Parti National. C'est comme ça que... Le président de la République, non, honorable, le président de la République ne peut pas connaître tous ses députés. Non. Ils ça, ne sont que 180. Bon, maintenant, moi, je vais interpeller le député sur l'effet d'incendie. Monsieur le président de la République, comme ça a commencé à l'Assemblée, troisième institution, ça peut monter... Que ça s'arrête sinon. Là-bas. Ça peut arriver ça chez nous. Ça ne monte jamais. D'ailleurs, j'ai pris des résolutions fermes. Je vais installer les sapeurs-pompiers aux alentours, au-dessus de la présidence, oui. Derrière, devant, et même moi-même, je vais créer un système d'irrigation du Fundi pour le palais. Qu'en cas d'incendie, si je soupçonne, et d'ailleurs je vais interdire même la cigarette. Là-bas, on ne sait jamais, oui. En fumant un mégot de cigarette, oui, oui. Ou du cigare, boum, ça peut prendre. Ça peut prendre. Et si vous êtes là, c'est... Le palais de qui? Si ça arrive, même, je fuis d'abord. Bon, allez, en 30 secondes chacun, on va commencer par le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Je voudrais qu'on reste fidèle à ce proverbe Douala. Qui dit un monté sur sa moto avec son motoré là. Oui. Pour finir, il a moto. Ce qui veut dire, quand un président de la République ne prend pas à cœur les consultations du marabout, c'est inquiétant. Monsieur le président, il faut. Ne créez pas les sapeurs pompiers de gauche à droite. Prenez-moi comme conseiller spécial. Mais est-ce que les colis peuvent éteindre un incendie? C'est un petit problème. Vous voyez seulement comment l'incendie est en train de faire pit. Bon, pit. Oui, le président veut conclure. La préoccupation du charlatan en marabout. Bon, monsieur le président. Je crois qu'on devait déposer un projet de loi à l'Assemblée pour voter l'admission des marabouts. Oui. S'ils votent. Comme consultant là-bas. Mm-hmm. Bon, allez, adopter cette loi. Pour le moment, je les regarde faire. Monsieur le député. Qu'il bagarre. S'il danse, qu'il danse. Qu'il chante, qu'il chante. D'ailleurs, nos musiciens sont en perte de vitesse. Ils vont nous remplacer, ces musiciens. Très bien. Monsieur le député, pour conclure, vous avez chanté à l'Assemblée. Moi, je suis de l'opposition. L'opposition modérée. Je vous ai dit que moi, j'ai fait la politique à l'Institut supérieur de sciences politiques d'Ongonfe. Ça veut dire que je ne suis pas à l'Assemblée pour chanter. Je suis choriste. Bon. Ce sont les députés d'un parti de l'opposition radicaux. De l'opposition qui ont chanté. Parce qu'ils sont du parti radicaux. Moi, je suis de l'opposition modérée. C'est-à-dire d'un moment à l'autre, si le chef de l'État le veut, comme il est là maintenant, il peut me mettre dans son parti opposition, national. Opposition, je ne suis pas de l'opposition radicaux. Monsieur le modérateur, j'ai comme l'impression qu'il y a du foutu à l'Assemblée là-bas. Très bien. Bon, vous savez bien. Ça sort comme ça sort. Tout ça se retrouve dans une émission aussi sérieuse, aussi républicaine que Comédie Presse. Bon, le journaliste 5 étoiles, une analyse journalistiquement 5 étoiles. Une analyse. Je vais chuter sur le sujet des incendies en disant que nous voyons plus le mal là où il n'y a pas le mal.
Le mal, c'est chez le marabout. N'allez plus loin chercher. Je me dis, le feu n'est pas un problème. Parce que d'un point de vue spirituel, les uns et les autres passent le temps à appeler le feu. À appeler le feu. Voilà. Si le feu, il est là, moi, je pense que c'est dans le cadre de la résolution des problèmes. Comme le feu m'a toujours été utile, je pense comme que le feu... Pour éviter le paiement des salaires des employés. Tu as brûlé ton bureau. Quand le feu, il est intéressant. Peut-on préparer le coquille sans un feu vraiment doux? Et vous l'appelez journaliste. Et vous dites quoi de lui? Je me dis, c'est pas de ma faute si quelqu'un a raté sa quel job vous pouvez lui accuser? Je ne peux pas être responsable de l'échec de sa vie. Je ne peux pas être responsable de ça. C'est ça. Allez, ça saute déjà sur le plateau. Continue. On va prendre quelqu'un moi, je vais te montrer qui est sous le soleil et sous la pluie, dans les airs, au sol. Tu ne me peux pas. Les multiples reportages, et il est dans la ville. Tu ne me peux pas. Big Rouge, qui prend les amis, est-ce que... Oui, je voulais sortir si c'est comme vous le constatez. Je suis très content de te joindre. Très content de te joindre parce que je suis parent. Mais les livres que vous voyez derrière moi sont très énervés la colère. Très énervés la colère parce que les livres qui étaient habitués à remplir les sacs des élèves seront séparés comme ça de ces sacs. On a donc décidé que, il y a de ça quelques temps, il y aura 3 livres par matière. Mais le premier ministre, chef du gouvernement, vient de sortir une note qui décidait que c'est 1 livre par matière. Ce qui va s'évrer, c'est 1 livre des sacs des élèves. Vous comprenez donc qu'il y a colère au niveau des livres, mais la joie au niveau des parents. Voilà pourquoi nous allons prendre comme ça le point de vue des vendeurs, des acheteurs, des liseurs, des penseurs qui vont nous dire ce qu'ils en pensent de cette décision. Big Rouge, je vous reviens dans un instant. Bonjour mon petit. Bonjour. Le premier ministre a dit que maintenant les livres se changent après 6 ans et que c'est 1 livre par matière, dont les livres que tu utilises là. Ton petit frère pourrait utiliser. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Moi je pense que c'est bien parce que comme je suis en 5e, j'utilise les majors. Oui. Et mes petits frères qui sont au CE2 pour aussi utiliser les mêmes livres que moi. Oui. Et je pense que c'est bien. Ah. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous êtes parent? Je suis parent de 4 enfants. Voilà, 4 enfants. Je vous annonce donc une nouvelle. Le premier ministre a dit que... À partir d'aujourd'hui, c'est 1 livre par matière. Et pour changer ce livre-là, il faut 6 ans. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ta femme? En tant que parent, je salue l'annonce de ce premier ministre. Oui. C'est une annonce qui encourage tous les parents des élèves. Parce que ça nous encourage à économiser notre moyenne. Parce que dès que j'achète un livre, je sais qu'il faut 6 ans pour réacheter un autre livre. Si le premier ministre peut appliquer cette décision, c'est une grande bénédiction pour nous. D'abord, je suis fier de la décision du premier ministre. Parce que d'abord, nous les parents, chaque année, on doit changer les livres. Et les livres nous reviennent très chers. Tu crois que les gens de la librairie mangent un peu? Non, mais ils doivent vendre les livres et que le livre doit faire au moins 6 ans, comme le premier ministre a dit. Donc, je suis fier de la décision du premier ministre. Ah bon? Moi, je pense que son idée est la bonne. Ah bon? Parce que ça nous allège les responsabilités que nous avons envers nos enfants. Donc, je pense que si on peut utiliser un livre après 6 ans, ça pourrait aider les cadets qui viennent après. Les gens de la librairie mangent dans la poubelle. Bon, ils ne mangent pas dans la poubelle, mais il faut tenir compte du coût de vie également de la population. C'est une bonne chose. Le ministre a vu aussi la souffrance des parents. Vraiment, si on se retrouve avec un livre pour changer en 6 ans, je crois que les parents vont respirer au moins. Donc, avant que tu aies étouffé? Très étouffé. Ah bon? Oui. Parce qu'à chaque 1 an, le livre est devenu hors programme. Chaque 1 an, le livre est hors programme. Ça nous amène à ne même plus avoir les moyens d'acheter ce livre. Donc ça déplumait. Ça déplumait complètement. Un livre par matière pendant 6 ans. Oui. C'est une mesure salutaire. Mais je ne comprends pas quelque chose parce que dès la rentrée, un ministre a sorti une décision selon laquelle les élèves devaient avoir 3 livres par matière pendant 3 ans seulement. Donc les triplés. Oui, je peux dire les triplés par matière. Mais si le premier ministre décide maintenant que c'est
un seul livre, trois livres, c'est ça? Un livre. Un seul livre. Un seul, tu le dis bien. Donc on divise par trois. Par trois. Parce que nous par matière pas, et pendant six ans. C'est très bien pour tous les parents. Il y a lieu de faire économie. Et d'ailleurs, à notre temps, quand nous on fréquentait, on n'avait que deux ou trois livres au plus. Ah bon? Et on faisait bien l'école. C'est lui qui donne les ordres. Alors je vais dire que la loi du Premier ministre soit appliquée. Et c'est pour le salut des parents d'élèves camerounais. Mais je sais que le Premier ministre ne sera pas à l'aise avec les inspecteurs nationaux qui ont introduit cette mafia des livres au Cameroun. Les inspecteurs nationaux ont introduit la mafia des livres au Cameroun. Donc ils sont suspects. Ils sont suspects. L'idée est bonne. Oui. Mais l'idée est bonne parce que il y avait une multitude de livres au programme. Ce qui fait que ça crée non seulement le désordre dans les établissements scolaires, mais le désordre dans le système éducatif en général. Seulement une matière comme la mathématique, il y a environ 7 livres au programme. Ah bon? 7 livres environ. Les 7 jours de la semaine? Oui. Ce qui fait qu'un établissement peut utiliser un livre alors qu'un autre établissement utilise un autre livre. Donc chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Son choix. Oui, lorsque la décision arrive ainsi, la décision est bonne parce que cette décision met fin à ce désordre-là. Un seul livre sera instauré dans tout le programme sur l'étendue du territoire national. S'il faut que cette décision soit mise en pratique, il ne faut pas qu'on l'applique directement dès la rentrée prochaine. Que ça soit mollo-mollo. Ça doit être mollo-mollo. On peut étendre, on peut donner une période de 2 à 3 ans pour permettre aux gens de prendre l'élan. Le temps de s'acclimater. De s'acclimater et de se libérer des stocks qu'ils ont déjà emmagasinés. Ok, merci. C'est ça. Oui, vous avez donc suivi comme ça là, le point de vue des regardeurs, des acheteurs, des vendeurs, des éditeurs et même des livreurs qui sont très énervés, la colère, parce qu'ils ont peur. Que vont-ils faire du reste des livres? Mais les parents, les enfants sont très contents d'être joyeux parce que leurs sacs vont diminuer. Ils ne vont plus être lourds comme les commandos parce que ça musclait les enfants. Mais ils seront maintenant légers comme des feuilles, pourront courir plus que Usain Bolt. Alors je suis sans tomber en disant, que dirais-je? Que pensais-je? Que vois-je? Big Rouge pour Comédie Presse, je vous renvoie l'antenne. En nous renvoyant l'antenne, on va prendre quelques messages WhatsApp là. Bonjour, les incendies sont un signe de la puissance de Dieu à cause du mal que nous faisons. Est-ce que nous faisons du mal? C'est pas d'accord. Pas nous, hein. Je veux dire, c'est le marabout qui envoie les incendies. Acceptez ça comme ça. Le marabout. Ok, bonjour, j'ai relevé ce numéro à Canal 2 et Comédie Presse. Vous allez avoir 15 jours pour une manifestation. Vous appelez au numéro qui s'affiche là et vous aurez. Monsieur Kaiser Show, bonjour les gens, vous êtes les meilleurs dans les infos et débats, la vie de l'audience, merci. Révérend Sacker, merci pasteur. Il y a le pasteur qui est aussi ici là. Bon, il y a un autre message qui demande que le député qui est sur le plateau est de quel parti politique? Je suis du parti qui ne chante pas à l'Assemblée. Je suis de l'opposition modérée, c'est-à-dire du parti qui ne chante pas à l'Assemblée. Moi, je ne chante pas le Mbubuzela. Si je veux chanter, je pars à la chorale. Tu as compris, toi qui es à la maison, si je veux chanter, je pars à la chorale. Bon, allez, il y a un autre message là qui nous vient de Koutaba, où on nous dit, depuis Koutaba, que vous êtes les meilleurs, et que, bon, je préfère que vous nous envoyez des messages qui peuvent avancer l'émission. Hein. Nous sommes les meilleurs, ça nous le savons. On va. Bon, compte tenu du temps, parce que le réalisateur nous tient aussi à la gorge, on va passer au. Il ne tient pas à la gorge. Le réalisateur, monsieur le patron. Le oui, mais excellent monsieur le président de la République. Passer au second thème. Est-ce que vous pouvez avoir du Mitiakola, là?
Tu Bitacola. Monsieur le marabout, vous n'avez pas de Bitacola. Je vais faire apparaître le Bitacola, monsieur le président. En fait, j'étais 1000 en francs. Si vous n'avez pas 1000 francs, vous pouvez. J'étais même 10 000 marabouts. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je peux vous offrir le Bitacola des blancs. Ou même la cola. Hein, monsieur le président, avec tout le respect que vous doit, ce qu'il peut vous offrir, c'est une interview. Hein. Une interview. Oui, je peux. Parce que jusqu'ici, vous ne m'avez pas encore accordé une interview. C'est d'ailleurs très rare. Ça peut être bien pour mon émission. Vous verrez ça avec Issa Tchiloma Bakary. C'est votre ministre de la communication. C'est lui. Qui est d'ailleurs notre patron. Qui est fait pour les interviews. Je suis trop occupé. Bon. Monsieur le Président, le temps que Monsieur Parfait Zambokel, le réalo de l'émission, parte chercher votre bitacola, on va passer au deuxième thème. Oui, si maman. Vous en avez convenance, bien sûr, le deuxième thème, c'est le sport. Et ça, vous savez que vous avez déclaré qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Et on va parler du comité de normalisation qui a chassé un entraîneur, Hugo Bros. Comment apprécier que nous soyons champions d'Afrique et que nous ne puissions pas partir en Russie? Ouais, moi-même, je wanda pour cette histoire. Pardon? Je wanda. Le président parle aussi comme... Oui, monsieur le président. Ça a remis en cause ce que j'avais dit dans la sauce. Le Nigeria dans la sauce. Le Sénégal. Dans la sauce. On leur a fait ça dur, mais cette fois-ci... Ils nous ont fait ça dur. Si moi-même, j'attrapais ce coach avec les mains... Mais... On n'allait pas le dire. Ok. Bon. Le journaliste 5 étoiles. Il est encore ici au pays où il a fui. C'est ça que le journaliste va nous dire. Il va nous donner l'information. Je suis l'un des rares journalistes à avoir interviewé le contrat de notre entraîneur. Interviewé le contrat. Le contrat. J'ai fait une émission d'une heure avec le contrat. Avec le contrat. Oui. Parce qu'il y avait des choses intéressantes que son contrat a dit. Oui. J'ai été scandalisé de savoir, d'apprendre qu'on limoge, pour le dire ainsi, quelqu'un dont le contrat est censé finir dans deux mois. Dans pratiquement deux mois, parce que ça finit en février. Je peux me tromper, comme beaucoup de journalistes. Ce n'est pas de ma faute si je me trompe. Ils sont nombreux qui se trompent. On fait quoi? Ouais. Donc, et toi, tu te crompes chaque jour. Taisez-vous, comme j'ai la parole. Un menteur. Taisez-vous. Mais quand vous avez la parole, ne suivez pas donc les gens qui vous interpellent et vous interceptent. Il passe le clair de son temps à demander la diffusion de son spot gratuitement. Dans votre radio. Dans ma radio. Bon, allez-y. Il a un ami à la radio, un animateur. Maintenant, donc, l'analyse par rapport au départ d'Hugo Bros. J'aimerais dire, Hugo Bros, merci. Hugo Bros. Tout ça, c'est la même chose. Écoutez, je ne suis pas de son village. Du vôtre non plus. Donc, je peux vous appeler Mbouruka. Il n'y a pas de problème. Non, moi, c'est Mbouta. Je ne suis pas de votre village. Je suis désolé. Et tu l'as... Je reviens au sujet. J'aimerais dire, monsieur Hugo Bros, si vous êtes encore au pays, j'aimerais vous dire merci pour le travail que vous avez abattu. Merci bon. De nous avoir... On retient... Merci de nous avoir... Attendez, vous n'avez pas répondu à la question du président. On lui dit le président merci. Demande... En vertu de quoi? De l'élimination? Monsieur le président... Il doit rembourser cet argent. Monsieur le président... Je porterai plainte au TCS. Monsieur le président, je dirais, vous avez un peu fait le buzz grâce au travail qu'il a fait. Bien. Vos phrases dans la sauce, ça a marché sur le net. Et il est allé dans la sauce, pourquoi? Vous avez dit dans la sauce, vous avez dit on le les a fait ça. Est-ce qu'il est au Cameroun ou pas? Après investigation. Après investigation. Oui ou non? J'ai discuté avec lui. Très bien. Allez, le président du syndicat de Marabout. Il est encore au Cameroun. Il attend. Attendez le courrier du milieu. Il est là. Il attend son agent. Parce qu'il a 12 mois. Alors qu'il ne nous a pas qualifiés. Non, il a 8 mois. Monsieur le Président, on ne donnait pas son agent chaque fin du mois. Lui, il a laissé partir, ça veut que vous devez renouveler son contrat. Il n'y a pas le crédit. Et on va en créer. Continuez votre. Et là, les courriers sont clairs. Monsieur Hugo Bros pas parce que lors de la dernière canne, moi, le président du syndicat de Marabout, j'ai tout fait avec mes esprits. Très bien. Pour qu'on gagne la finale. Bon, le président parle. Monsieur le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, monsieur le DGSN,
prenez des mesures fortes et draconiennes pour que cette histoire soit mise au clair. Excellence, nous allons, sur ce vote de jeu, nous allons tout faire pour neutraliser l'individu. Apparemment, il est repéré vers étudié. Il est en train de faire le marché, il est en train d'acheter les bobolos et avec les macabos et consorts. Les dispositions prises pour encercler étudié. Étudié où? Pas au palais, au marché. Oui, excellence, de la précision valait la peine. Nous allons envoyer des escadrons du BIR. Nous allons envoyer l'escadron du BAR. Nous allons même envoyer le Goubedoc, le CERCOP, le Goubocop, tout ça. Excellence, on vous l'amène. Je veux l'exclusivité. Ce n'était qu'une parenthèse. Une parenthèse. Merci. Je continue dans ma lecture correspondante. Oui. Ça, c'est une conséquence directe de toutes les personnes qui ne veulent pas être reconnaissantes envers le marabout que je suis. J'ai fait en sorte que Gobo remporte la Coupe d'Afrique. Lui-même était convaincu qu'il ne pouvait pas remporter la Coupe du Cameroun. Mais c'est Gobo, c'est là pour me dire que j'avais brossé mes dents ailleurs. Je lui ai dit, Gobo, tu vas partir avant décembre. Et Gobo, tu vas partir. Il m'a dit, tape ici. Je lui ai dit, tu me montres la main. J'ai tapé, j'ai laissé le gnos. Le gnos, c'est la marche, hein, c'est ça qui est parti dans avec Gobo. Maintenant, j'ai déjà vu les coups. Parce que là, il y a trois coachs. Celui qui me voit en première position, c'est fini. Celui qui vient me voir en première position, c'est Gadé, il est coach. Bien. Et il y a Eric Robertson. Et il y a Matthaus. Oui. Matthaus, c'est un Allemand. Uh-huh. Il a metté capitaine à la manche. Celui qui avait, il nous avait gagné en 90, il a remporté. Oui, mais Matthaus. C'est pour conclure. Hein, parce c'est pour conclure. Matthaus est quitté de l'Allemagne pour venir dans la piscine miraculeuse. Et il se lavait hier soir. Donc ne serait pas surpris que Matthaus vient d'être pris le nouveau coach. Parce que Rigobert sont des fiches. Vous mentez. Bon, allez, maintenant, honorable. C'est faux. Honorable. Type se confond ici avec. Honorable député. Adoptez, oui, adoptez la loi là. Mettez la loi là comme ça. Qui a parlé de loi? Hein? Adoptez, ce qui a parlé de loi? On ne parle pas de loi. On n'est pas à l'Assemblée. Ils ont rien calculé les non, on est sur un plateau. Ben, quel refaire, oui. On est sur le plateau. Dans l'Assemblée, c'est que vous dormez. Adoptez, adoptez. Mais après, c'est Pézem, Pézem. Ici, on est sur le plateau de Comédie Presse. Bon, qu'est-ce que l'honorabilité de l'Assemblée nationale peut donc nous dire par rapport à Hugo Boss qui part brosser ses chaussures ailleurs? Hugo Boss. Brosse. On dit que. En anglais renforcé, on dit que comme Jinku, il y a que l'âme ne fait le wa. Ça veut dire que. Ça, ce n'est pas l'anglais. C'est l'anglais renforcé. Je n'ai pas dit que c'est l'anglais. Ça veut dire que. Ça veut dire que. On voit le haricot qui va produire sur la floraison. Quand on a parlé de ce coach, vraiment, j'ai dit quelque chose à l'Assemblée. Envoyez le coach à l'Assemblée, on vote. Bon. Envoyez le coach à l'Assemblée, on vote. Bon, alors, le député, le on député a dit que c'est le chef de l'État. De non, et... non, on m'a dit que c'est le chef de l'État qui choisit le coach. Bon, le chef de l'État est devant nous, je ne sais pas. Après, on a non, le chef de l'État a pris sa décision. Après, il a donné le OK. Il a demandé même que le type la partie du Cameroun. C'est pour si ça. On avait envoyé à l'Assemblée pour qu'on vote, n'est-ce pas, je devais lever mon doigt pour dire que je ne suis pas d'accord. Pour demander les PSM. Mais à l'heure du vote, ça pourrait être facile que vous soyez en train de dormir. Il devait être en train de dormir. Mais non, il était en train de vous réveiller. Il faut venir sur le marabout, monsieur le modérateur. J'ai passé ma soirée hier à la session. Ferme ta bouche, j'étais à la session. C'est un député. Vous remettez en question là mon humilité. Humilité quoi? Son humiliation. Moi, nationaliste, je peux manquer le respect d'un député, mais vous, le non, 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 pas non, 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 non
Mon secrétaire a dit que ça veut dire que ce que le avec juge l'humilité dit là, et l'humilité. Est-ce que vous permettez qu'on prenne quelques messages là? Il y a des gens qui disent vous êtes les meilleurs sur les infos, la vie de ouais, Moustique le charismatique, de lundi à vendredi, il est à nous chez vous. Donc c'est ça la grande maison de Canal de International. Bon, on va dire merci. Je suis l'ambassadeur à Galawal. Je vous donne rendez-vous à Yaoundé et à Douala pour la mort du riche. Salut Douala, salut Yaoundé. Je suis Omar Defunzu Ngenge, monsieur le président, depuis le Gabon. Marcus, Tony Rindongo, Major Assé, vous allez mourir de rire. En exclusivité au Cameroun, sur le même plateau et pour le plus grand show d'humour de l'année à Douala et Yaoundé, retrouvez l'ambassadeur à Galawal de Côte d'Ivoire, le président Omar Defunzu du Gabon, Marcos, Valérie Ndongo et Major Assé du Cameroun. Ce mercredi 13 décembre à l'Institut français de Douala, jeudi 14 décembre au Castanol de Douala et à Yaoundé ce vendredi 15 décembre à l'hôtel La Falaise de Yaoundé à 20h pour la mort du rire. Tarif 10 000 et 15 000 francs CFA. Info live 669-69-10-10. Mort de rire 1, un concept Planète Saladin et Canal 2 présenté par Major AC, soutenu par les hôtels La Falaise de Douala et Yaoundé, RSI, Suite FM, Coca-Cola et Castel Beer. Bon. C'est quelle manière de commencer bon. Ça? Est-ce qu'on commence une phrase française? Il faut qu'on fasse une loi sur les journalistes. Les journalistes partent déjà à la télé, se salient n'importe comment. Bon. Il faut qu'on porte une loi pour sélectionner même les écoles qui vont permettre les journalistes. Allez, le troisième thème. Monsieur le modérateur, oui. J'avais un communiqué là, je voulais... Moi, je ne te déteste pas. J'ai un problème, c'est que dans la télé des venus, lis pour la dernière fois mon message. Oui. Lis pour la dernière fois. Message, ça. Je ne paye pas. Parce que toi-même, quand tu viens dans la Vous souhaitez faire partie du réseau de distribution des décodeurs Free, Africa du Free du Cameroun, au Cameroun, et dans la sous-région Afrique centrale. Contactez-nous à Douala au 242. Attends, il est bien ça. Ah. 242-61-16-56. C'est ça. 694-63-33-33. Et le numéro est facile. Attends, il est encore. 694-63-33-33. Et à Yaoundé, ils sont aussi à Yaoundé. Ils sont partout. Oui. Donc à Yaoundé, ils disent qu'on les appelle, ils disent 242-61-16-30. Je dis bien 242-61-16-30. On dit que Free Africa, le meilleur de la télévision par satellite. Oui, ma radio c'est aussi la meilleure radio. Mais la radio n'est pas une. Ma radio, dis-vous dans quel système en Afrique. Donc pour ceux qui nous ont écoutés, le numéro c'est 242-61-16-56, 694-63-33-33, 242, ça c'est pour Douala et Yaoundé, 242-61-16-30. Free Africa, le meilleur de la télévision. Pourquoi il y a des cancres dans un communiqué? Moi, je ne vois pas la question. 33, et puis. Free Africa, c'est bien. Mais ma radio, c'est aussi la radio bien. Non. Ma radio, c'est une bonne radio. Ils sont passés par le service commercial de l'émission. Oui. Allez, troisième thème. Terrorisme, le MINDEF contre-attaque. Et là, c'est solennel. C'est pourquoi je te remercie de me donner la parole comme vous m'avez donné. Non. Moi, je pense que vous êtes un modérateur très intelligent. C'est pourquoi je vous aime. Je suis l'une des premières personnes qui a accepté ce qu'on appelle le chef de l'État à RC à Mako. Et il constate que le marabout a donné des conseils qu'il fallait, des conseils atypiques, anaérobiques et hémorroïdes. Moi, j'ai demandé au chef de l'État de prendre des dispositions crocodile-cooke. Les dispositions crocodile coupe, vous-même vous savez quand le crocodile vous accroche, il reste avec le doigt. S'il accable la tête, oui. Il ne lâche plus. Donc on appelle ça les mesures crocodile coupe. C'est-à-dire, le terrorisme va comprendre que même si on nous attaque dans 10 fronts,
Oui. Vous voyez les petits gars du bille qui veulent sortir là. Ils ont les yeux rouges comme ça. Le gars là a coupé la chandelle là. Et il y a un client qui me devait l'argent. Il vient se laver dans la piscine naturelle, il ne paye pas. J'ai appelé le petit gars. Il est venu ici pour manger les soya, pour repartir du côté du nord-ouest. Mm-hmm. Le gars là a coupé la chandelle au type là. Tous les dents sont partis dans la bouche. J'ai dit que non, laisse, ne tue pas. Mm-hmm. Une seule chandelle. Mais le gars n'était pas un terroriste. Il n'était pas un terroriste, mais quand tu dois l'argent au marabout, on te met dans le cadre de terroriste. Dans ce oui, nous. C'est un terrorisme. Le marabout aussi fait comme les États-Unis. C'est un terrorisme maraboutique. Oui. Le marabout aussi fait comme les États-Unis. Merci pour si avoir passé la parole. C'est vraiment intéressant. C'est non sans que toi, oui. Le donc, journaliste. Ça va, vous m'avez passé la parole. Vous le menteur. À présent. Donc, je dis, c'est cette décision de pourchasser les terroristes tombe à point nommé. Surtout en ce mois de décembre où un génocide se prépare. Oui, autant vous le dire, il y a un génocide. Très bientôt, il y aura un assassinat massif de poulets. Donc, c'est pour ça que il faut effectivement... Mais Corée, même, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais Corée, le calais, le 24 décembre, oui, ça sera le grave. Le 24 décembre, je ne pense pas. Il y aura du sang de poulet partout. Du sang de poulet partout. Il y a des gens qui vont même tuer les porcs. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Un génocide. C'est un génocide. Et c'est pour ça que cette décision tombe à point nommé. Pour que le chef de l'État décide de poursuivre tous les terroristes. Tous les terroristes qui sont dans les maisons avec les couteaux là. Qui ont pris la décision de tuer les poulets, les canards, les porcs. Bon, monsieur le président de la République, Dieu vous voit. C'est vous le premier ministère camerounais, c'est vous-même qui avez ordonné et le MINDEF actuellement va en guerre contre les terroristes. Est-ce que vous avez ordonné qu'on tue les poulets, les porcs? Les chèvres. Oui, parce qu'il y a les terroristes partout dans les maisons. Ceux qui vont assassiner les porcs et les poulets le 24 décembre. Là. Donnez-nous la possibilité au président de la République. Le voisin de ma petite macro, il tue un porc chaque matin. C'est un attentat. Le président de la République, oui. S'il vous plaît. Sur le président, on a respecté. Vous disiez, est-ce qu'on doit assassiner les porcs, les poulets. Les poulets. Les chèvres pendant les fêtes. Ils ont annoncé un génocide. Et le journaliste dit qu'on appelle ça un génocide. Si c'est pour manger, oui, on peut tuer les poulets et les porcs. Mais quant à venir égorger, confondre les humains aux poulets, alors je dis non. Moi-même, je serai devant. Ils vont fuir en brousse. Moi-même aussi, je vais les poursuivre en brousse. On verra qui va gagner. Et je suis aguerri. J'ai donné l'ordre aux forces de la défense d'être très rigoureux dans les actes de défense du pays. Et cette histoire de lutte contre les terroristes, c'est l'apanage de tous les Camerounais. Sachez nous aider à repérer ces brigands qui passent le temps à tuer ceux-là qui sont faits pour vous défendre. Si on tue toutes les forces de l'ordre, qui vous défendra en cas d'attaque? C'est une affaire de tous. Monsieur le président de la République, vous-même vous voyez, donc voilà donc nos représentants à l'Assemblée. Monsieur le président, ils ont. C'est le groupe électrogène ou alors. Non, c'est ils ont en train de dormir. J'ai cru que c'était un générateur qui était. Honorable. Adopté. On part déjà. Dis au chauffeur de démarrer ma voiture, on part. Ok. Un cuit, c'est mon chauffeur. Vous, est-ce que vous avez même suivi donc ce que vous êtes venu faire ici? Je réfléchissais sur les lois. Quand tu réfléchis sur les lois à l'Assemblée, les journalistes racontent partout que tu es en train de dormir. Les journalistes ne sont pas avec vous à l'Assemblée. Excusez-nous. N'est-ce pas pour votre travail? C'est vous qui mettez sur Facebook. Sur Facebook, comment les gens ont suivi? C'est vous qui montez sur Facebook comment l'humidité. Nous, on a un collègue à l'Assemblée que vous avez monté son humidité sur Facebook jusqu'à vous avez mis dans un journal. Ce n'est pas bien. Lui montait avec son humidité. Bon. J'étais contre toutes les choses comme ça. Je ne suis pas d'accord. Bon.
vous les journalistes, donc vraiment il faut qu'on fasse une sélection sur vous. Il y avait une question, papa. Non, ça va. On va dire, juste dire bonjour au général Belingué et au colonel Afana. Bonjour également à M. Piti, responsable administratif de la SICAM. Avant que le président de la République ne conclue, je voudrais quand même que le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis nous lise un peu la semaine qui arrive là, choristiquement. La semaine qui arrive là, je vois beaucoup de joie. Je vois, il y a un téléspectateur qui est en train de me regarder. Il est brun comme ça, un peu, il a un œil un peu bizarre. Oui, vous allez trouver 50 000 demain matin quand vous allez vous réveiller. Et je suis en train de voir beaucoup de gens dans ma piscine miraculeuse. Venez, je vais vous soigner gratuitement. Mais il faut que je vous dise la vérité. Il faut que le MINDEF prenne le président du syndicat de Marabout comme celui-là qui scanne les terroristes. C'est-à-dire dès qu'il déclare que vous êtes terroriste, on te prend seulement. Bon, on va prendre une autorité qui n'était pas avec nous sur le plateau pour conclure l'émission. Allez-y. Moi, j'ai dit que je vais conclure l'émission. J'ai dit que je vais acheter. Parce que bon, quand vous voyez... Monsieur le secrétaire général... Monsieur le secrétaire... Du RDPC... Hein?